Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce premier épisode qui suit la création du personnage. Alors, il faut aller... attendez. Voir notre frère. Donc, il faut que je change les commandes. Alors, si je me trompe pas, non, ça c'est le journal. Option, commande. Normalement, je les avais changés. Panoramique, c'est pour la caméra. Non, pourquoi? Je les avais pas changés. Commande pour voir la carte. Normalement, commande. Marche reculée, journal J, oui. Inventaire, oui. Compétence, carte, c'est Alt C. Donc Alt C, oui. Ah, donc nous on est là, je crois que notre frère, voilà. Ah oui. Et carrément de l'autre côté. Et nous on est là. Ah ah. Je me suis trompé de côté, donc il faut que je fasse comme ça. Hop, là, ici. X. C'est l'atrium. Donc, ou alors... non. Faut que j'en fasse marche arrière. Donc on ira visiter tout ça plus tard. D'abord, essayer de faire notre première mission pour voir comment ça fonctionne. Donc, je me... Ah, mince. Alt C, voilà. Trompe pas, oui, c'est ça, ding. Mais non, j'aurais pu faire ça. Oh, tant pis. Dommage que j'arrive pas à activer la manette pour ce jeu. Tour droit. Et là. Donc la première à gauche et après la première à droite. Vous voilà. Ah. Le tiers ne vous a convoqué, m'a dit votre mère, et j'ai préféré ne pas vous distraire. Je crois que votre chien a encore fait du grabuge en cuisine. Nan a menacé de démissionner. Oh, c'est pas grave ça. Et encore entré en scène. Nan était ma nourrice avant d'être cuisinière. Elle ne quittera jamais le château. Sinon, c'est un... Votre mère n'est pas du même avis. Elle vous somme de récupérer votre chien au plus vite. Vous connaissez ces chiens, Mabari. Ils n'obéissent qu'à leur maître. Ni moi, ni mes hommes n'avons envie de perdre un bras. Vous avez beaucoup de chance de posséder un chien Mabari, vous savez. Mon père disait qu'ils sont trop intelligents pour nous parler. L'inconvénient, c'est qu'ils se lassent très vite. Nan prétend que votre chien la tourmente uniquement pour se divertir. Quoi qu'il en soit, votre mère m'a demandé de vous accompagner pour régler le problème. Êtes-vous prêt? Votre mère m'a donné des ordres très clairs. À moins que le château ne soit attaqué, ne faites rien tant que vous n'aurez pas récupéré ce chien. Elle n'avait pas l'air de plaisanter. Un instant, monseigneur. Puis-je vous poser une question? J'ai ouï dire qu'un garde des ombres était au château. Est-ce vrai? Et est-il vrai que ce garde a demandé à me voir?
Je vous en prie, dites-moi en plus. A-t-il demandé à me voir ou pas? Je sais même pas qui c'est. Par le créateur. En êtes-vous sûr? Moi, un garde des ombres? Je n'ose y croire. J'en rêve depuis que je suis enfant. Mais je dois garder les pieds sur terre. Je sais même plus son nom. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû m'emporter ainsi. Je sais même plus son nom. Nouvelle quête. Nouveau codex. D'accord, donc. Je sais même plus où j'étais. Hop, la première à droite. Ah, merde. Mon cher Brice m'a rapporté ceci dans l'Aïs l'année dernière. Ah, j'aurais dû garder sur la carte. Où il était le chien. Livre, je crois. Il a confondu Brice avec le roi. Ah, voici mon fils, accompagné de Sir Gilmore. Dites-moi, Sir Gilmore, le problème de ce chien est-il réglé? Pas encore, noble dame. Mon chéri, je t'en prie, hâte-toi de t'en occuper. Cette bête malodorante est peut-être un excellent chasseur, mais la pauvre naine va finir par perdre la tête. Je ne te demande pas de voyager à l'autre bout du monde. Les cuisines sont à deux pas d'ici. Sir Gilmore, je compte sur vous. À votre service, noble dame. Bien, avec un peu de chance, mes invités pourront manger avant la semaine prochaine. Trésor, tu te souviens de Dame Landra, j'imagine? Nous nous sommes rencontrés au salon de printemps de votre mère. Parfaitement, vous étiez ivre. Hein, si vous le dites, ça devrait attendre. Vous êtes trop aimable, mon garçon. Je crois me souvenir d'avoir flirté sans vergogne avec vous pendant presque tout le salon. Et devant toute la famille. Donc elle était bourrée. Vous connaissez mon fils Dairen? Il part à la guerre demain aux côtés de votre père. Je suis heureux de vous revoir, monseigneur. Et voici Yona, madame de Parage. Dites quelque chose, très cher. Très honoré, monseigneur. La rumeur ne tarit pas d'éloge à votre sujet. Ne regardez pas, Éléonore, mais je crois bien que la belle a le béguin pour votre garçon. Dame Landra? Allons, Landra. Regardez ce que vous avez fait. La voilà cramoisie à présent. Avez-vous au moins conscience que nous sommes en guerre? Je serais de m'attendre plus longtemps et vous, notre Fariana. Je suis votre servante, monseigneur. Je crois que je vais me retirer à présent. Dairen, Yona, je vous reverrai ce soir au dîner. Nous pourrions nous retirer dans l'étude. Monseigneur, Sir Gilmore, bonsoir. Bon, je peux y aller, là. Alors, Alt-C. Donc là, c'est moi. Ah oui, donc le chien, c'est là. Bon, on va d'abord voir mon frère. Donc, ah merde. Donc, tout droit, la première à gauche, tout droit après deux portes à droite. Donc, gauche, deux portes, droite. Ok. À gauche. Peut-être devrions-nous nous occuper de votre chien avant que Nan ne mette ses menaces à exécution. Imaginez un peu la réaction de votre mère. Peut-être devrions-nous nous occuper de votre chien. On n'a pas le choix, faut juste d'abord le chien. Ses menaces à exécution. Imaginez un peu la réaction de votre mère. La porte est bloquée. Alors, c'est... Ah merde. D'accord. Et si on pouvait mettre un point de repère, c'est dommage qu'on ne peut pas mettre de repère. Objet scellé, vous venez de rencontrer un objet scellé, il vous sera peut-être possible de cocher le verrou si vous avez la compétence. Sinon, tentez d'en trouver une clé en explorant ou en négociant. D'accord. En explorant ou en négociant. Alors, hop. Donc, droite, tout droit, gauche, gauche, trois gauches. Donc là, à droite et après trois gauches. Alors, si je me trompe pas, si,
Je sais. Ah, j'entends mon chien. Donc, ah bah c'est tout de suite. J'étais juste à côté. Je m'exécute. Il est où le chien? Délogez-moi ce maudit caveau du cellier. C'est impossible. Il va nous dévorer. Et moi, si je peux pas entrer dans mon cellier, je vous ferai rôtir à la broche. Misérable bon à rien. Calmez-vous, ma bonne dame. Laissez-nous vous aider. Vous et vous, votre bâtard n'arrête pas de dévaliser mon cellier. Une fois tu te calmes, il faudrait l'abattre. Un loup des enfers, voilà ce qu'il est. Comment voulez-vous que je travaille? Maîtresse, je vous en prie, calmez-vous. Vous... Très bien, puisque c'est comme ça, je rends mon tablier. Prévenez la Tierna, je refuse d'offrir mes talents à des ingrats. Allons, femme, calmez-vous. Nous allons nous occuper du chien. Débarrassez-moi de lui, c'est tout. Comme si je n'avais pas assez à faire avec tous ces soldats affamés. Vous deux, oust, ne restez pas plantés là, comme des idiots. Inventaire et équipement. Pour vous équiper de nouveaux objets, vous devez accéder à l'écran d'inventaire. Ouvrez-le maintenant en cliquant sur l'icône, en surbrillance ou en appuyant sur I. Ah oui, là. D'accord. Ça y est, pour l'enlever. Pour retirer un équipement, glissez et déposez son icône à gauche de l'écran. Dans l'inventaire, retire maintenant l'armure ou les vêtements de votre personnage. Pourquoi j'enlèverais les vêtements de mon personnage? Attends. Pour retirer un équipement, glisser, déposer son icône de gauche. Ah oui, de là à là si je veux l'enlever en fait. Ça s'écarte quoi? Ça, c'est les épaules ça? Bague. Constitution plus 3, résistance au feu, serment funeste. Armure. Ça c'est quoi ça? Bonus dans son équipement, la sortie qu'on fait un bonus. Oui, ouais, ça je me doute bien. Pied de la fortune, tous les attributs plus 1. Défense plus 6, résistance au sort plus 2, résistance mentale. Alors, ceinture de maître de guilde. D'amoureuse poche d'amoureux. Cataplasme. Ouais, mais avec ce machin en plein milieu, c'est chiant là. Oh, je suis à poil. Cataplasme. Ça, c'est les jambières, ça, non? Dispatch par machin, c'est mieux. Alors pourquoi il veut que j'utilise ça? Ah oui, d'accord. Idiot. Ouais, d'accord, c'est pour mettre.
Alors, je vais seulement placer les dans votre base aussi. Donc j'ai, c'est ce que j'ai fait. Ah ça y est. Non. D'accord. Ok. Donc j'ai pas d'épaulette. Ça pourrait dire le nom là qu'on est dessus. Ouais, il n'est pas extraordinaire. Il y a quelque chose qui se cache derrière, c'est pour ça qu'il gueule. Oh, regardez-moi ce carnage. Comment diable a-t-il fait pour entrer? On dirait vraiment qu'il essaie de vous dire quelque chose. Un instant. Merci, j'avais vous compris. Avez entendu. Ça, c'est le nom de mon chien. Et on va pas l'appeler Médor. On va l'appeler comment? Tyrion? D'accord, ce qu'il y a des pauses. D'accord. Fais pas le roi face à moi. Comment on se bat en fait? Il se bat tout seul? Par le créateur, on se croirait dans l'un de ces contes à dormir debout que me racontait mon grand-père. Votre chien semble leur avoir donné la chasse. Le rôti ne l'intéressait pas, en fin de compte. J'en doute fort. Regardez un peu ce carnage. Votre chien ne mange pas de cette manière, il est beaucoup plus délicat. C'est pas ça que vous je avez la dire. Situation en main, je peux donc vous laisser. Les hommes du Jarl doivent arriver cette nuit. Et tout doit être prêt. Mon beau Tyrion. Codex mis à jour. Alors, mouvement libre, activer, désactiver les sections du groupe. Mouvement libre. Au beau chien, au beau Tyrion. Rien trouvé un objet en bois dans lequel sont gravés d'images symboles. Le tout immaculé de terre et semble très ancien. Il s'agit, mais il est possible qu'il s'agisse d'une arme. Ouf, ouais. D'accord. Ah oui. Ouais. C'est quoi ça? Malgré son nom, cette arme n'a guère en commun avec les elfes, hormis qu'elle est souvent récoltée et vendue par les Dalassiens. C'est de base de nombreux cataplasmes. Ouais, ouais, tout prend, bien vu. Ah ben, il a tout bouffé. Il me suit. Ou il reste là?
Non, il me suit pas. Bon, alors, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à... dans cette pièce? Ah oui, là. Serpentine, pierre vert, bleu taille en forme de carapace de tortue. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Apparemment, non. Ça serait quand il y aura un truc machin autour, d'accord. Regardez qui voilà, fier comme un pont et les babines encore dégoulinantes de sauce. Quoi? Pas ces gros rats gris, j'espère. Ce sont des monstres assoiffés de sang. Et voilà, vous avez effrayé mes serviteurs avec vos histoires. J'espère au moins que vous avez tué ces saletés de rats. Attends, mon puissant matin n'a fait qu'une bouchée de ces monstres. C'est ce satané chien qui les a fait rentrer, j'en suis sûr. Oh, inutile de mon me regarder avec des yeux de chien battu. Tes charmes n'ont aucun effet sur moi, sale bête. Bon, d'accord. Tiens, fais-toi les dents là-dessus et ne viens pas dire que je ne te donne jamais rien. Ce serait mieux d'aller nettoyer mon chien. Merci, monseigneur. Je vais enfin pouvoir me remettre au travail. Allez, vous deux, finis de rêvasser. Bon, il n'y a rien dans cette pièce. Alors, je vois pas de... Nous vous servirons de notre mieux en l'absence du tiers. Non, apparemment, il n'y a rien à récupérer. Oui, mon chien me suit. Bon. Bon, est-ce qu'elle va me parler, ma mère, là? Non? Y a rien à récupérer, là? Ainsi donc, tu as résolu le conflit entre Nan et ton chien. Je prends cela comme un oui. Bon travail, mon fils. Maintenant, file faire tes adieux à Fergus avant qu'il ne parte. Pour quelques jours seulement. Ensuite, j'irai tenir compagnie à Dame Landra pendant quelque temps. Ton père estime que ma présence s'apprête ton autorité. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ce n'est que temporaire. Oui, ton père m'en a parlé. J'espère que tu ne t'es pas mis en tête de passer l'épreuve de recrutement. Il y a largement de quoi faire au château pour te tenir occupé. Je refuse que tu partes courir le danger comme ton frère. Je t'aime, mon garçon. Moi aussi, tu maman. C'est cela, n'est-ce pas? Pars faire ton devoir, mon enfant. Nous nous reverrons bientôt. Bon, ils ne se sont pas foulés sur les... Non. Ils ne se sont pas foulés sur les... je peux faire comme ça. Bon. Ah, on peut rentrer cette fois. Oui. Rien dans cette pièce à récupérer. Donc. Si je tombe pas, mon frère, il est là. Il va voilà. Vraiment y avoir une guerre, papa? Tu me rapporteras une épée, dis. On dit une épée, Oren. Et bien sûr que je te rapporterai une épée. La plus grande de toutes les épées. Je serai de retour très vite. J'aimerais être aussi confiante que vous, Fergus. Mon cœur est inquiet. Allons, mon amour. C'est la guerre, inutile femme. D'éveiller Oren. Je suis sûr de mon fait. Ah, mon frère, tu es venu me faire tes adieux. Allons, sèche tes larmes et souhaite-moi bonne chance. Reste. Que je puisse te faire mes adieux. Je t'apporte mon salut de que tu passes sans attendre. Je vais m'accompagner. Tu vas me manquer, grand frère. Si cela peut te consoler, dis-toi que pendant que tu resteras à te prélasser au château, bien qu'il ait l'air plus jeune que moi, tu dans la boue sous une pluie glacée. Voilà qui a le don de me rassurer, mon cher époux.
Ce qui signifie que les hommes du Jarl ont bel et bien été retardés. À croire qu'ils marchent sur les mains. Il est temps. Les engins sont des milliers. Plus vite j'aurai tranché toutes ces têtes, plus tôt je serai de retour. Très bien, en route. À bientôt, mon amour. J'ose espérer que tu n'allais pas partir sans dire au revoir à tes vieux parents. Quoi ça sert? Il y a des dépêchés alors qu'ils vont venir, ils viennent. Puisse le créateur veiller sur toi, mon fils, je prie. Ouais, c'est ce que j'allais lui dire. Le créateur nous observe et nous protège. Puissent nos fils, nos maris et nos pères revenir sains et saufs. Et puisse le créateur être prodigue en bière et en jouvencelle. Enfin, pour la troupe. Oups. Gus, n'employez pas un tel langage devant votre mère. C'est quoi une jouvencelle? C'est une sorte de balancelle? Une jouvencelle est une jeune femme qui sert la bière dans une taverne, Oren. Ou bien une femme qui boit beaucoup de bière. Brice, par le créateur, vous êtes pire que des enfants, tous les trois. Vous allez me manquer, mère. Prends bien soin d'elle, petit frère. Quelle joie de me savoir si bien entourée. Allons, allons, mon enfant. Tu devrais aller te coucher. Demain, la journée sera longue. Je regarde encore, ok. Alors, je voulais regarder quelque chose. Option. Commande. Pour les combats. Juste indiquer les... Hop, il tape tout seul. Soigner les objets utilisables. Apparemment, oui. Tactique. Menu. Sans. Panoramique droit. Ajouter compagnon 1. Ah, tu vas avoir jusqu'à 4 compagnons. Non, apparemment, les combats, oui, ils se passent tout seul. Panoramique droit. Ah, voilà. Au cas où. Voilà. Tu devrais déjà être au lit, mon enfant. Oh, je suis pas un bébé. Demain, la journée sera longue. Ah, je me doutais bien que cela finirait par arriver. A-t-il proposé de te recruter? Eh bien, dans ce cas, je serai contraint de l'envisager. Si la menace d'un enclin se confirme, les gardes des ombres seront notre dernier recours. Leur cause est la plus juste qui soit. Enfin, nous en discuterons à mon retour. Jusque-là, montre-toi courtois envers lui. Duncan est un homme honnête et un héros de surcroît. Si le roi l'exige, oui. En fait, je pense même que ne pas mobiliser toutes nos forces serait une grave erreur. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tout ira bien. Malgré tout, je veux que notre garnison reste sur le qui-vive, au cas où. Je sais que tu me feras honneur. Tu es devenu un homme fort et bon, mon fils. On va essayer, père. Quête terminée, nouvelle capture d'écran... Ouais, capture d'écran. Ah. Donc j'ai jamais un combat les mains nues, oui, c'est clair. Accéder à l'inventaire. Un i pour vous équiper une nouvelle arme ou armure. Ok. Ah. Tant. Ah, je croyais que j'allais devoir aller dans ma chambre, moi. Ah, on est attaqué. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ?
l'aide, monseigneur! Le château est attaqué! Ah bah d'accord. Oui, ça serait bien de m'équiper, je suis à poil. De fatigue, oui. Je suis d'accord, mais là... je peux pas bouger. Ah bah, je suis en pause. Très bien. Sois loué, je craignais le pire. Tu es blessé? Un cri m'a éveillé. Des hommes étaient postés dans le couloir. Aussi me suis-je barricadé. As-tu vu leur emblème? Ce sont les hommes de Ho. Pourquoi s'en prennent-ils à nous? Le retard des hommes de Ho n'était donc qu'un leurre? Oh, le traître! Je l'égorgerai de mes propres mains. Vas-y, mère, égorge-le. Sais-tu où se trouve ton père? Il ne s'est pas couché. Nous devons le retrouver. Je ne suis pas une potiche orlésienne. Je sais encore me battre. Donne-moi une épée et mettons-nous en route. Gain niveau. Voilà, à chaque fois que vous gagnez un niveau, votre personnage obtient de nouvelles capacités. Et voici... Oui, bah, c'est logique. Faites un clic gauche sur le bouton plus près du portrait pour valider le gain. D'accord. Molos de guerre. Attribué. Moi j'ai 3 points. Volonté. Force et constitution. Ah oui, gain de niveau. Donc là, ça c'était rhétorique. Là, c'était force de combat plutôt. Prendre ça. Là, 1. Donc là, c'est un combat déloyal. Sous la ceinture. Doigt agile. Ah oui, non, je suis un voleur, moi. Oui, bon, c'est pas grave. Donc, Alt-C, et je dois aller là. Et là, c'est quoi? Coffre récupéré. Ah!
Donc c'est à droite. Oui. Non ! Oren ! Quelle sorte de monstre massacrerait des innocents ? Oh, ne fais pas de quartier. Il veut nous massacrer jusqu'au dernier. Pauvre Fergus. Partons. Je ne veux pas voir cela. Mais attends, parce que moi j'ai un coffre normalement là. Je suis où ? Ah bah non, je me trompe de salle, c'est l'autre côté. Cataclasme, petit... Ah bah ouais. J'ai rien d'autre à prendre. Ah oui, je peux choisir elle. Pour lui dire d'aller là, d'accord. Non. Là, il y a une masse. Par rapport à moi, nécessite 12 de force. Dégâts 5. Ouais. D'accord. Alors. Eh ben, avant d'aller voir où est notre père, je laisse ici l'épisode qui me paraît très bien. Ça me plaît. Pour l'instant, ça me plaît. Ça me plaît. En plus, un gros chien. Tyrion. Oui, mon chien, je t'ai entendu. On va les combattre avec notre mère. Peut-être que je vais lui filer la masse en attendant. Je vous dis au prochain épisode. Au revoir.